avec cet échange. Moi, ma principale motivation, c'était pour découvrir d'autres cultures et améliorer les langues que je parle, donc par exemple l'anglais. Moi aussi, je voulais découvrir une nouvelle culture et découvrir aussi une nouvelle gastronomie, de la nourriture, etc. Et en plus, connaître de nouvelles personnes et de pouvoir étudier dans d'autres lycées très différents à ce lycée. Merci pour vos réponses merveilleuses. Où voulez-vous partir? Donc, dans mon cas, je pars à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, au lycée français Théodore Monod. Moi, je pars cette semaine à Bogota, Colombie, au lycée Louis Pasteur. Moi, je pars à Rabat, au Maroc, dans le lycée Descartes. Et nous partons toutes les deux à Abu Dhabi, au lycée Louis Massignon. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien profiter de cet échange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Catherine et je viens du lycée Louis Massignon à Abu Dhabi. Je suis là pour un échange ADN pendant 6 semaines ici à Reus. Déjà, le lycée à Reus est beaucoup plus petit que celui à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, on est à environ 1700 élèves et là, on est 300. Ce qui veut dire que, par exemple, aux Émirats, il y a 4 classes de seconde ou même 5 parfois. Là, il n'y en a qu'une, ce qui fait que il y a une atmosphère beaucoup plus familiale. En plus, les profs, c'est plus facile pour eux de nous suivre puisqu'on est très peu. On a des tutorats pendant les pauses déjeuner, ce qui nous aide beaucoup. Et aussi entre élèves, on parle beaucoup espagnol entre les cours, ce qui est très différent des Émirats. Bonjour, je m'appelle Selena, je suis en classe de seconde et je suis partie en ADN, échange ADN. Et je suis partie en Abu Dhabi au lycée Louis Massignon. Ce que je retiens, c'est l'ambiance qu'il y avait dans la classe, c'était super. Le super accueil qu'ils m'ont fait les professeurs et la gentillesse de la famille.